Salut. Vous savez quelle heure il est? Il est 4 heures, j'ai un peu honte. Je devais pas vloguer, clairement. Qu'est-ce qui s'est passé? À 3 heures cette nuit, je me suis réveillée avec la fameuse migraine qui va te bousiller ta journée et qui m'a tenue tout le long. Donc, j'ai monté mon vlog ce matin de façon à ce que vous l'ayez à temps. Et dès que j'ai eu fini, j'ai été me mettre dans le noir, je me suis allongée. Vous savez, c'est fou, j'avais envie de vomir. Et sur les coups, là, tout à l'heure, de 3 heures, je me suis dit, je vais quand même me tenter un truc. Et me voilà. Elle est toujours là, la migraine. En plus, je sens qu'il y a un orage qui arrive. Parce qu'en général, les migraines, moi, ça me provoque ça aussi. Enfin, non. Les orages me provoquent les migraines en plus des hormones. Et là, je sens un truc qui arrive qui est pas très cool. Sinon, on va également, enfin bref, s'il pleut et tout, ça va pas être possible, mais de se tenter de faire un vol avec le drone, histoire rapidement de voir la qualité de l'image. Et si la qualité de l'image n'est pas top, il faudra que je ramène à Leclerc en espérant qu'ils acceptent de me rembourser. Voilà un petit peu le programme. Vous le voyez ou pas? Au bout, on va tenter de le faire venir. Jack, déjà il entend, il reconnaît son prénom. Baby, viens voir maman. Ça, c'est un chat de compète. Bonjour bébé, tu montes? Allez, c'est bien ça, dis donc. C'est un gentil chat, sa maman. Viens, mon bébé. Il est où? Mais il est où? Il est caché? On le voit plus? Bébé? Je suis prête pour faire un spectacle de cirque avec mon Jackie. Bon, il y a deux, trois petits réglages à faire, mais il est là. Bon, ben voilà, hein, j'ai le nez fin. S'est mis à bien pleuvoir, il y a eu 2-3 coups de tonnerre. Ah, ça fait du bien, ça rafraîchit en fait. C'est super lumineux, je pense qu'on va se faire un bel arc-en-ciel. T'es en train de poser, mon Jackie? Il est en train de se regarder dans la glace. Bébé! Qu'est-ce que tu fais? Tu restes tranquille. Tu n'abîmes pas le décor de maman. Pendant que je vous ai sous la main, je vais vous présenter. Donc, j'ai reçu encore 2 produits que j'ai eu à tester. Il s'agit là, c'est des produits pour les yeux, pour tout ce qui est poche, cerne. C'est de la marque Sampa. J'ai testé déjà celui-ci. C'est un gros, comme un gros feutre en fait. Hop, on vient appuyer une fois, le produit sort. C'est une bille. Ce genre de produit, on le met au frigo, c'est encore mieux pour l'effet décongestionnant. Et celui-ci, donc c'est le merveilleux Roll-On qui va venir en fait défroisser le regard et comme il met, atténue l'apparence des rides et des cernes. Et je peux vous dire, moi je le mets uniquement le matin, un côté, l'autre côté. J'insiste vraiment au niveau des pas de doigts. J'attends un petit peu que le produit pénètre, je lisse, j'enlève un peu l'excédent et après je viens me maquiller. Et ben je vous le dis, il est plutôt pas mal ce produit. J'ai vu, ouais, c'est vrai que ça fait un petit effet bonne mine, liftant. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec ma migraine, c'est pas le meilleur jour, mais quand même, c'est pas mal. Et ce qui est génial, c'est que j'ai reçu un deuxième produit, un petit peu dans le même esprit, c'est le Glamour Shot Yeux, qui va venir en fait agir en une minute. Je vous montre, mais je vous montre pas trop parce que je vous explique très vite. C'est comme un crayon. On le vient le mettre et apparemment ça fait un effet liftant tout de suite. Et ce produit, j'ai demandé à la marque si ils étaient OK, vu que j'en ai deux, pour que je vous le propose dans un concours et que je vous le fasse gagner. Et ils ont dit oui. Donc ce produit va être à gagner. Je vais faire une photo Insta. Donc sous la photo, vous reconnaîtrez. J'aime bien de plus en plus collaborer pour des concours avec les marques. Je trouve ça cool que vous puissiez en bénéficier aussi. Eric vient de rentrer. Il était au fond. S'est jeté dans le frigo pour son coca. J'avoue qu'il faisait super chaud. Là, je vais me faire une petite glace. En fait, les oasis, elles sont bonnes. Enfin, ça passe parce que c'est à l'intérieur, il y a un petit cœur coulant, framboise. C'est pas mal. Tu penses qu'on va y aller ou pas? On va faire un test aujourd'hui ou... C'est un peu mouillé. Hein. J'ai pas la carte, j'arrive pas à la faire fonctionner. Ça marche pas du tout. Bah, ça craint. Bah, en fait, c'est même pas des tutos, ça, tu sais le faire. Si la carte elle merde, c'est la carte. Hein. Je regarde, mais on sait jamais. Ouais. Bon, allez, bonne glace. Tu sors si marcher juste pour marcher, parce que des fois ça fait du bien quand t'as des migraines. Le fait de s'oxygéner un peu. Et elle part pas. Hein. Mais bon, en général, il faut vraiment dormir dessus pour que ça aille. Je sais que demain matin, ça ira mieux. Voilà, là, si j'ai envie de bien m'oxygéner et bien respirer, je me mets ici.
partager entre j'ai un peu froid par moment et non, finalement ça va. Je regarde les gens, ils ont tous soit un petit pull quand même ou une veste. J'ai peut-être pris un peu la confiance à sortir comme ça. Je vais passer rapidement, peut-être vous allez reconnaître le petit coin des chats. Et après je rentre parce que je crois qu'Eric il veut qu'on aille ailleurs. J'en vois un dans un buisson, ils me font délirer. Salut bonhomme. Ah ben n'aie pas peur. Il y en a un là aussi, petit noir. On te voit, hein. Et juste là. Oh, vas-y donc, il y a du vent. Salut bonhomme. Ce que j'adore, c'est que quand on regarde bien, en général, il y en a là. Hop. Et je te laisse tranquille, bonhomme. Je rentre à la maison. Je vais voir Eric. Je suis devant Leclerc, j'ai laissé Eric y aller tout seul parce que je suis vraiment pas en mesure, ça fait ça. Là c'est tout le côté gauche, j'ai trop mal au crâne. Mais il est parti changer la carte, prendre une nouvelle carte SD parce qu'il pense que ça vient de ça. Le fait que le drone ne fonctionne pas. Après je pense qu'il va vouloir juste vite fait qu'on le teste, bien sûr. Et puis on rentrera manger. Je pense qu'il va s'acheter un plat. Je suis sûre qu'il va s'acheter un petit plat... ce soir, il me dit « Oh bébé, t'es pas en mesure de faire à manger ce soir, laisse tomber, je vais me prendre un petit plat tout fait. » Il adore le couscous, je crois que c'est son plat préféré au monde. Je suis persuadée qu'il va revenir avec un plat préparé. Et moi, je vais me faire mes pâtes là, que j'adore. Vous savez, les pâtes un petit peu, les pâtes fraîches quoi, avec dedans du chèvre, des trucs. Voilà, ça va être très très bien. Je le vois là-bas, paparazzi. Il a fait super vite. Il court, il court, il court, il court. Non mais, sans déconner. Ta purée. Couscous. Ah non mais... Tu as pris un couscous pour combien de jours? Je viens de penser, maman elle est pas là aujourd'hui. Donc on va utiliser son jardin pour tester le drone. Ça va être parfait ici. Waouh, elles sont vraiment belles ces fleurs en fait. Les roses là. Ah si, ils avaient dit c'est les pierres de Ronsard. Elles sont magnifiques. J'ai mis ma petite veste, je commence à me cailler un peu. Et Eric m'a dit que c'est bon, ça venait de la carte, ça a l'air de fonctionner. T'as fait un test vidéo? Ça marche? Non mais ça va marcher. Cool. L'indicateur est bon. Par contre j'ai plus de GPS. Et alors? GPS, ok. C'est bon? Ah bah déjà ça c'est bien. Trigger, ok. Allez vas-y. Flip, ok. Balance. Allez Michel! À chaque fois ça me fait flipper. Non mais laisse tomber, j'ai compris, tu le gardes. Oui. Mais t'as raison, bah, c'est bon. T'as toujours voulu en avoir un, donc voilà. On est rentré. N'empêche, il a l'air trop bon ton gousse. Salut bébé. Alors, pourquoi oui. Michel, il est encore... Hein? Il est en con, Michel. Derrière son... Qu'est-ce que t'as dit? Il a fait des prises de vue incroyables de Michel. D'accord. Des prises de vue que j'ai dans ces 4 vidéos. S'ils veulent voir Michel en plat, enfin, ce qu'a filmé Michel, qu'il le note en commentaire. On veut voir Michel. Oh, voilà. Oh, impressionnant. Oh non, c'est quoi cette qualité? Regarde un petit peu le jardin. Quelle de ta mère. Stabilité. Non, mais là, il y avait du vent qui soufflait à la fin, je te promets. Tu auras toujours des excuses, je crois. Oui. Non, mais là, en plus, il vole pas. Là, c'est toi qui faisais semblant, tu le prenais. Mais non, mais il filme oh non, mal. Caché. C'est pas du pro, quoi. Mais non, mais là, en contre-jour, il aime pas le contre-jour. Non, puis il y avait du vent, il y avait du vent. Il y a du vent. Regarde, là, c'est impressionnant parce qu'il commence à ras du sol. Attends, je vais décoller, regarde. Regarde, il va te suivre. Regarde bien, c'est impressionnant. Paf. Oh, le carreau. Stabilisé. Stabilisé, c'est pas stabilisé, ça. Mais il y a du vent. Regarde tes cheveux, ils bougent. Là, c'est un câlin ras du sol. Ça, c'est incroyable. Regarde, je ne touche plus à rien, regarde ce qu'il fait.
Regardez. Et regardez, il va repartir dans le sens. Donc c'est impressionnant, il le fait tout par seul. Par contre, regarde, tu vois, on voit l'hélice. Ah non, hein, on peut pas te laisser 2 minutes. Descends. Jack était en train de manger ton couscous. Il essayait en tout cas. Content. Bah ouais, je vois ça. Oui. Mais ça sera pas pour mes vlogs. Alors, cette petite assiette. Sont... Je sais même pas. C'est des burrata à quoi? Je crois que c'est mozza. Et j'ai mis un petit peu de mâche. Je vais bien me régaler. Et je crois qu'il y avait autre chose. Ah ouais, bah si. Je vais rajouter un peu de chavreau. Je suis KO. Il est pas super tard. Il est 10h30 en fait, tout juste. Mais comme j'ai pas bien dormi. Voilà. On va éteindre. En fait, je sais pas si je vous ai montré la petite couette que j'avais eue chez Jiffy. Ça rend plutôt bien, hein. Ah, j'adore. Je vous laisse maintenant. Je vous dis à demain. J'espère que je vous retrouverai dans une meilleure forme qu'aujourd'hui. Je pense que demain je vais vlogger. Je vous embrasse et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Allez, salut.